Je suis Chassim Kuchkalo, professeur à l'université de au département de lettres modernes. Je suis écrivaine également et je suis membre de l'association de, des écrivains du Togo et membre également du Parlement des écrivains francophones. Alors, euh, j'ai au total 15 ouvrages répartis en essais, en recueils de poèmes et en romans. Donc j'ai six romans, euh, quatre recueils de poèmes, euh, trois essais et puis une pièce de théâtre. Alors, l'origine de la littérature togolaise, s'il faut parler de la littérature écrite. Elle remonte à la colonisation. Donc C'est avec la colonisation que les écrivains togolais ont émergé. Ils étaient deux, au temps colonial. Il y a Félix Kouchoro et David Ananou. Et avec le temps, il y a eu d'autres qui ont émergé à partir des années 80 et 70 d'abord, puis les années 90 avec les écrivains togolais immigrés. Les principaux thèmes euh, relèvent de la vie quotidienne et particulièrement il y a euh, la prostitution, l'exploitation des enfants, et il y a également la dénonciation de la mauvaise gestion du, du pouvoir euh, politique. Et il y a le statut de la femme, il y a euh, les enfants également abandonnés qui sont pris, il y a l'amour, bon, il y a euh, tous les thèmes possibles donc, euh, qui euh, relèvent de la vie quotidienne. La préoccupation, comme je l'ai dit au niveau des thèmes, la préoccupation est liée au vécu quotidien des hommes. Donc, euh, qu'est-ce qui préoccupe particulièrement Il y a la, la passion au niveau de l'amour. Et ensuite, il y a les difficultés liées aux femmes, au vécu des femmes au quotidien. Il y a aussi euh, la, euh, les difficultés liées aux enfants de rue. Les difficultés liées à, à l'environnement, donc euh, tout est ausculté au travers de la littérature euh, togolaise. Pas vraiment, pas vraiment, euh, parce que c'est un peu difficile. Il faut apprendre à écrire les langues euh, qui sont euh, Reconnus par le gouvernement. Donc, il y a deux langues officielles, le kabyle et le vé, qui sont reconnues, mais pour écrire en ces langues-là, il faut apprendre, c'est-à-dire, euh, il y a l'alphabet. Donc, euh, à ma connaissance, non, j'enseigne la littérature orale, mais euh, la littérature est Orale, écrite en langue locale, je n'en connais pas vraiment, mais ce que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a euh, un ouvrage euh, conté et légende de Yves Emmanuel Daubé. et à l'intérieur, il y a des textes écrits en langue locale, et juste à côté, il y a des textes euh, traduits en français. Donc, les mêmes textes sont en langue locale et traduits en français. Donc, c'est pour l'instant ce que j'ai pu rencontrer. Donc, le reste se fait oralement. Oui, la littérature orale, moi-même j'enseigne la littérature orale. Mais je dis, il y a des littératures typiquement orales que celles qui est produite à chaud sur le terrain et qu'on peut rencontrer sur le terrain avec euh, peut-être des chanteuses ou un groupe de, de chanteurs sur le terrain, c'est ça qui est véritablement littérature togolaise. Et littérature orale togolaise. Mais quand cette littérature-là passe de l'oralité à l'archivage dans les livres, ce n'est plus une littérature typiquement orale et ça devient une oraliture. C'est-à-dire qu'une euh, littérature qui est au carrefour de l'oral et de l'écrit. Oui et non, elle, elle risque de, de disparaître. Je dis oui et non, elle ne disparaît pas à partir du moment où les langues locales existent et elle est produite dans, dans ces langues-là. Mais elle risque de disparaître en ce sens qu'elle est altérée. Donc on n'a plus cette littérature typiquement orale parce qu'il y a les interférences de la modernité. Donc, qui euh, agit sur cette littérature-là. Donc, euh, elle peut disparaître, tout comme elle peut ne pas disparaître. Voilà. Oui, euh, le premier obstacle est lié à l'édition. À l'édition, parce que très souvent, il n'y a pas de... Maison d'édition qui puisse produire, ça, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais qui puisse produire à compte d'édition. Souvent, c'est à compte d'éditeur. Si bien que les gens ont les tests, de bons tests, mais qui ne sont pas édités. Mais par contre, on trouve de mauvais tests qui sont édités parce que la personne a eu les moyens de financer pour, pour être édité. Voilà. Bien sûr, chaque chaque littérature avec les indépendances, chaque pays a sa littérature et cette littérature-là a ses préoccupations parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Et chaque, chaque euh, les écrivains de chaque pays sont préoccupés par les réalités de leur pays, euh, surtout euh, les écrivains qui vivent au pays, et parce que comme euh, et le dit certains qu'il ne faut pas qu'on les étiquette écrivains du Togo, par exemple, parce qu'ils sont écrivains du monde. Si vous vivez ailleurs, il y a les réalités de l'extérieur qui vous préoccupent. Et si vous vivez dans votre pays également, il y a les réalités de votre pays qui vous préoccupent. Donc, en cela, la littérature togolaise est particulière par rapport aux autres. Ah oui, euh, c'est une question qui a été posée euh, par un, un collègue écrivain. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la littérature togolaise évolue et est aussi euh, canalisée par l'évolution euh, de la situation du pays et l'évolution du monde. Parce que les thèmes qui sont abordés, Vont quelquefois au -delà. Quand je parle de l'environnement, c'est un phénomène qui est partagé par, par tout le monde entier. Donc, euh, et cette littérature-là va au-delà de ces phénomènes. Les phénomènes. Le phénomène des, des enfants de rue, le phénomène de prostitution, ce sont des phénomènes qui sont partagés par le monde entier. La, la promotion de la littérature. Euh, Togolaise, moi je pense qu'elle est faite à des occasions pareilles. Quand les, les, les écrivains sortent, ils vont à des congrès, ils vont à des foires du livre, vont, il y a aussi les maisons d'édition qui vont à des foires du livre, donc pour exposer les productions des écrivains togolais. Et quand les écrivains eux-mêmes participent à des colloques, à des congrès, je pense que c'est des occasions de faire la promotion de la littérature togolaise à mon sens. Ah oui, euh, dans cet ouvrage, je suis partie des analyses de plusieurs romans. Romans, les romans de Fatou Diom, les romans de et calice Beyala, le roman de Honorine Gou. Et donc, c'est à partir de l'analyse de ces romans-là que j'ai euh, relevé l'émancipation que chacune d'elles euh, souhaite pour la femme. Alors, l'émancipation, il faut partir de la prise de la parole. Donc pendant longtemps, euh, il est considéré que les femmes africaines n'ont pas le droit à la parole. Donc Kalisbeiala euh, prône cette prise de parole et quand euh, je prends Honorine Ngu elle prône l'émancipation de la femme au travers du travail. La femme doit travailler pour être émancipée, pour être indépendante, elle ne doit pas être dépendante de de l'homme et on Puisqu'on dit bon, ben, en Afrique, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme, tout cela. Donc, Honorine Ngoo prône l'émancipation de la femme par le travail. Effectivement. La littérature féminine gagne en ampleur, euh, à plus forte raison. Nous avons des, des écrivaines comme euh, et Fatou Diome qui défendent valablement la, le statut de, de la femme et ensuite le statut de, de, des écrivaines euh, féminines. Il y a aussi le, le Leonora Miano. Donc je pense que c'est des... C'est des, des écrivaines qui représentent valablement euh, d'autres écrivaines euh, féminines, même si euh, toutes n'arrivent pas à émerger de la même manière. Donc euh, ça, ça dépend aussi, je pense, des maisons d'édition et des thèmes qui sont abordés. Alors, ma maison d'initiation, effectivement, euh, c'est un roman qui parle de l'initiation. Et l'initiation, pas au sens premier du terme dans les couvents, mais une initiation qui se fait partout, dans tous les domaines. Donc, chaque domaine est une maison d'initiation. Dans ce sens-là, j'ai été initiée à la littérature à travers ma formation. Euh, de littéraire. Donc je suis passée par les lettres, j'ai été formée et j'ai lu en plus. Donc en lisant aussi, j'ai suivi une formation, une auto-formation en quelque sorte. Donc en lisant beaucoup, en lisant euh, des écrivains, des écrivaines, donc j'ai été à l'école de l'écriture à travers une auto-formation. Oui, alors disons que oui, euh, c'est euh, un recueil qui a contribué à, à me faire connaître davantage, euh, et particulièrement le, le contenu. Donc, euh, puisque je défends la femme et en même temps je dénonce la femme. Parce que quand je parle de l'émancipation, il faudrait que la femme de par son engagement contribue à sa considération. Il y a une banalisation qui est faite au sujet de la femme. La femme est banalisée et au même moment je dis c'est la femme même qui contribue à sa banalisation puisque beaucoup d'africaines dans nos pays pensent que elles doivent euh, ou l'homme leur doit tout. Donc il faut dépendre de l'homme. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'hommes qui banalisent les femmes. Et je dis, il faudrait que la situation change ou les dons changent. Il faudrait que les femmes se fassent respecter et il faudrait qu'elles se fassent euh, prendre, euh, ou qu'elles se prennent en charge. Euh, il faut que les femmes se battent en travaillant. Il faut travailler pour se prendre en charge. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, j'ai été euh, connue à travers mon œuvre. Ouais, je dis, euh, je suis une écrivaine engagée à travers ma plume. Je ne suis pas une écrivaine engagée politiquement, mais je suis engagée à travers ma plume et je dénonce à travers ma plume des injustices qui sont faites aux femmes, des injustices qui sont faites aux enfants, des injustices euh, qui... qui, qui Existent de manière générale dans le monde et qui sont sans voix. Donc, euh, en cela, je me dis écrivaine engagée et de par ma plume. Euh, pour euh, vous initier ou initier les lecteurs à, à la littérature d'Ogolaise, il faut lire les ouvrages qui sont disponibles. Euh, il y a surtout euh, nos compatriotes qui ont été publiés. Il y en a qui sont en France, euh, au Canada, mais si vous trouvez les œuvres, moi je conseille, je suis romanesque, je conseille plus les romans, parce que c'est facile à lire. Quand vous prenez les œuvres poétiques, il faut vraiment être initié. Bon, il y a des, des poèmes euh, ou des, des poèmes qui sont... Des poèmes narrés. Les gens écrivent ça sous forme de narration. C'est facile à lire. Mais lorsqu'on applique les règles de la poésie, c'est vraiment difficile pour euh, euh, un novice ou des novices à comprendre facilement euh, les, les poèmes. Donc je conseille mieux la lecture des, des romans. Et tout roman togolais que vous découvrez quelque part, allez, puisque c'est un voyage à la lecture, allez découvrir à travers ce voyage les réalités peut-être togolaises ou les réalités du monde entier.